me with daddy, we need to talk. Goddamn, can we get along? We always fighting over nothing. I'ma gonna finish what you started, oh yeah. And I ain't been nothing but real with you. Went through my phone, I was still with you. I was trying to work this out, but you be still true. Know you wanted this to be for real, but I don't. Think that I'ma miss you, but I won't. Salut à tous, c'est ArmixXL. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog numéro 3 en compagnie de Beluga XL. Salut tout le monde. Et c'est pour aller à Narbonne-Plage. Du coup, voilà. Les gars, on va passer devant le viaduc des Argoulets pour voir s'il y a une rame qui passe ou pas. Eh ben non, il n'y a pas de rhum. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Du coup, voilà. Les gars, on va passer devant le péage. Dans quelques secondes. Et je vais filmer la barrière qui se lève pour qu'on puisse passer. Voilà. Bon, mais c'est bon, on est passé devant le péage. Du coup, voilà. Les gars, on a quitté le département Haute-Garonne. On est rentré dans le département de l'Aude. Du coup, voilà. Les gars, on roule à 130 km/h. Les gars, à 2 km, on va s'arrêter à l'aire de repos pour faire une petite pause. Du coup, une fois arrivé à l'aire de repos, je reprends la vidéo. A tout à l'heure. Les gars, on rentre à l'aire de repos. Et l'aire de repos, c'est aire de fond couverte. Dans 500 mètres, rejoindre A61. Ça, c'est le GPS, ça. C'est quoi ça? Ah, sa ceinture. Du coup, voilà. Les gars, on est à l'aire de repos. C'est l'aire de fond couverte. Et si je suis à l'aire de repos, ben c'est pour qu'on fasse une petite pause. Et je reprendrai la vidéo dès qu'on repart de l'aire de repos pour reprendre la rocade pour aller à Narbonne-Plage. A tout à l'heure. Ça y est, les gars. On est parti d'aire de repos. Maintenant, on reprend la route pour aller vers Narbonne-Plage. Du coup, voilà. Les gars, regardez les éoliennes. Je zoome pour que vous puissiez voir. Puissiez voir, pardon.
Et petite explication pour vous, les éoliennes, ça produit de l'électricité. Je vous laisse regarder. Les gars, on va passer devant le péage, comme tout à l'heure, pour aller à Narbonne-Plage. Et comme tout à l'heure, ben j'ai filmé la barrière. La barrière qui se lève, pardon, je veux dire. Et voilà. La mer qui descend, regardez. Voilà. C'est bon, on est passé. Du coup, voilà. Les gars, je vous laisse admirer ce paysage. Du coup, voilà. Ça y est, les gars, on est arrivé à Narbonne-Plage. Du coup, voilà. Les gars, je filme la mer. Et par contre, ça souffle. Hein. Et si je filme le sable, eh bien, on dirait les dunes du désert. Du coup, voilà. Les gars, je vais aller dans l'eau. C'est parti. Et par contre, l'eau est glacée. Et plus précisément, eh ben, l'eau est froide. Est froide, pardon.
Surtout imagine quand je marche, sur l'eau, alors qu'il y a mes jambes sur l'eau, alors que vous allez loin, eh ben surtout vous pouvez pas aller loin avec votre téléphone quand vous filmez, parce que sinon si vous nagez alors que vous tenez votre téléphone quand vous filmez, eh ben le téléphone peut être pété, là c'est la merde. Du coup c'est un conseil pour vous que je vous donne. Je veux dire, c'est un conseil que je vous ai donné. Bon, mais là, c'était aller-retour pour vous. Si je reviens là où j'étais, c'est que c'était l'aller-retour que j'ai fait. Et voilà, je suis arrivé. Du coup, voilà. Les gars, j'ai oublié de vous dire que là-bas, là où j'étais tout à l'heure, eh ben, c'est glacial. Alors que ici, c'est ambiante. La température est ambiante. Alors que je vous dis, j'ai oublié de vous dire que là-bas, c'est la température glaciale. Alors que là où je suis, eh ben, c'est la température est ambiante. Du coup, voilà. Ça y est les gars, on quitte Narbonne plage. Du coup voilà. Les gars, on passe devant le péage. Voilà. Restez à droite à l'embranchement. Les gars, avant de continuer la route, eh ben, on va faire une pause à l'air de pêche louba, à l'air de repos plus précisément. Dans 500 mètres, rejoindre la 61. Du coup, voilà. Ça y est, les gars, on est à l'air de repos. Bon, ben, faire une pause. Voilà. Mais je reprends la vidéo dès qu'on repart. Allez, à tout à l'heure. Ça y est les gars, on quitte l'aire de repos. Du coup voilà. Les gars, on roule à 130 km/h. Le département de l'Aude pour passer au département d'Haute-Garonne. Du coup voilà. Les gars, on va passer devant le péage dans quelques secondes. Restez à droite à l'embranchement pour continuer sur A61. Continuez pendant 14 km.
voilà. Les gars, on va passer devant le viaduc des Argoulets. Dans quelques secondes. Pour voir s'il y a une rame qui passe ou pas. Eh ben non, il n'y a même pas de rame qui est passée. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, voilà. Voilà, le vlog numéro 3 est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, d'activer la cloche pour ne rien rater, de lâcher un gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Pour les prochaines vidéos, de commenter, de partager et de suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi, c'est RamixXL. Je vous dis salut à tous pour une prochaine vidéo. Allez, salut !